Donc voici le déballage de l'extension La Sombra pour Vampire Chapters. C'est la version française. L'autre côté, on voit l'aperçu de ce qu'il y a dans la boîte. Donc le personnage en gros. Les différentes... bon, ici un peu d'histoire, les caractéristiques, les feuillets pour jouer le personnage, les cartes avec les différentes disciplines, les objets. Ensuite, il y a les plateaux, les livrets pour les scénarios. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur plus en détail. Donc ici, on a un plateau pour jouer le scénario. Ça semble être dans un bureau. Pas clair. Non, ça semble être une espèce de bureau, un atelier de restauration d'art, on dirait ça. Et puis de ce côté-ci, une maison vraiment désaffectée, là, on dirait. Là, qu'il y a personne qui vit là parce qu'il y a des meubles avec des draps sur le dessus. Donc voilà pour le plateau. Ensuite, on a le plateau du personnage, La Sombra, avec son gros cigare. Les feuillets de personnages pré-remplis pour Edward Harvey. Les deux livrets de chapitres. Donc, chapitre 1, le portrait de Damien Buckfield. Et puis, la cabane solitaire dans le bois. On a des personnages non-joueurs ici. Donc, un homme en... quelqu'un qui travaille dans l'atelier, probablement. Un homme en peignoir. Voilà. On a la figurine. Hein? Ici, on a oublié de lui mettre ton cigare dans ses mains. Ah non, on le voit. On le voit, son cigare. Il est là. C'est juste pas évident. On le voit mieux comme ça. Voilà. Ensuite, on a les cartes pour les personnages non-joueurs. Donc ici, on devrait avoir... Oh, on a justement une seule carte. Voilà. Et puis des cartes d'objets ainsi que de disciplines. Donc pour les cartes d'objets, on a de beaux habits et une planche de bois. Dans les disciplines pour les La Sombra, donc on commence avec Dominate. Dominate Control, donc un brouillage mémoriel, injonction latente, hypnose. On a altération mémorielle et avec potence. Ici, on a prouesse, bon surhumain et puis démolition. Dans Oblivion, obténébration, on a bras d'Ariman, voile stygien et forme ténébreuse. Voilà, et c'est ce qui met fin au déballage de cette extension. J'espère que vous avez aimé ça, que ça a été utile pour vous. Donc, et puis, je vous remercie d'avoir été à l'écoute.